Salut, c'est Benki de la Sellerie, tout simplement. On se retrouve pour cette vidéo. C'est le tuto d'agrafage de selle de moto. Alors, je vais vous expliquer la théorie. On va peut-être pas agrafer directement, mais je vais vous montrer pourquoi, par où commencer et comment commencer. Donc, pour cela, on se munit de la selle de moto. Un peu plus loin, voilà. Donc, lorsque vous avez votre selle en longueur, alors, par où il faut commencer? Mais déjà, c'est la symétrie. Donc, on va faire la symétrie. Une fois qu'on a notre symétrie au niveau de la selle, on va commencer par agrafer donc une agrafe à l'arrière et une agrafe à l'avant pour pas que ça bouge au niveau de la symétrie. Une fois que ça c'est fait, on va prendre. Donc, ce qui est important, c'est une fois qu'on agrafe. Il faut impérativement qu'il y ait un peu de tension ici. Je vais vous montrer. Ici, il faut qu'il y ait de la tension. S'il n'y en a pas, c'est pas bon. S'il y en a trop, ça va relever le plastique ici. C'est pas bon non plus. Donc, il faut le nécessaire pour que lorsqu'on va venir tirer sur le côté, ben, ça épouse correctement la selle. Comme cela. Donc, une fois que vous avez votre tension ici, comme ça. Vous allez prendre le côté le plus haut de la selle et généralement, on va dire que c'est à peu près la moitié de la selle. Sur la moitié de la selle, vous allez commencer en fait à agrafer. Donc vous allez tendre avec les pouces, pousser, pas plus que ça. Regardez votre symétrie de part et d'autre. Donc à la limite, vous le faites des deux côtés pour pas qu'il y en ait un plus haut que l'autre. Et une fois que c'est fait, donc vous calez le premier morceau ici avec ma main sur le genou et l'autre vous allez le prendre ici avec les mains et vous allez tirer. Voilà, pour faire comme ceci. Donc si vous tirez pas assez, il va avoir un petit bourrelet ici. Et si vous tirez trop, ça sera pas bon parce que de l'autre côté, il va falloir encore forcer et c'est pas l'idéal. Une fois que ça c'est fait, agrafer des deux côtés. Vous allez donc vous retrouver avec une selle qui est comme ça. À ce moment-là, vous allez vous attaquer sur ce qui est le plus compliqué. Et ce qu'on a tendance aussi à chauffer sur certains sky qui sont pas assez souples. Donc là, le sky est assez souple, donc on va pouvoir le faire. Et donc vous allez chercher en fait la cassure au niveau de la selle, au niveau de l'avant, pour venir en fait le trouver. Donc une fois que ça c'est fait, donc voilà. Là. C'est bien tendu. Donc vous mettez une agrafe derrière. Une fois que ça c'est fait, vous terminez par ce côté-là et vous allez faire exactement la même chose. Une fois que ça c'est fait au niveau de votre angle ici, vous avez juste à corriger le tir en venant effacer les plis ici de la selle, donc avec une ou deux agrafes. Et puis après vous terminez. Donc vous continuez avec le haut, donc à agrafer. Et puis vous faites l'arrière. Vous agrafez, vous terminez votre agrafage. Et après, ça sera le final. Vous tendez donc comme cela. Et vous venez avec votre pistolet agrafeur mettre les agrafes. Voilà, c'était un tuto explicatif comment réaliser un bon agrafage de selle de moto, par où commencer. Je pense que ce tuto sera vraiment bien pour tous ceux ou toutes celles qui souhaitent réaliser et mettre en place une housse de selle de moto. Maintenant, c'est à vous de jouer. À bientôt. Salut!